Alors cette année, tu seras justement notre parrain le 7 juin 2014 pour notre 3e édition. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé pour répondre et accepter surtout cette invitation? Disons qu'il y a plusieurs, paramètres qui ont joué sur ma décision qui s'est faite très naturellement et je me suis, j'ai pas réfléchi très longtemps pour accepter cette proposition. Déjà les liens d'amitié qu'on a liés tous les deux depuis 2 ans maintenant. Là où je me souviens avoir été blessé longtemps et tu m'avais prodigué des conseils qui m'ont été très utiles et ça je pense qu'il est encore reconnaissant aujourd'hui. Merci donc, à toi d'être là aujourd'hui. Donc ça me paraissait simplement du bon sens de rendre un petit peu l'appareil. Voilà, en plus moi je suis originaire du département voisin donc c'est des régions que je connais un petit peu et j'ai aucun doute sur la qualité des parcours et de l'organisation donc je me suis vraiment lancé sans hésitation dans ce chemin. Alors justement en tant qu'ambassadeur 2014 pour notre manifestation, est-ce que tu as des attentes, des envies? Les attentes c'est que ce soit une grande réussite pour tout le monde, que les coureurs soient heureux de participer, que les organisateurs soient heureux de rendre heureux les participants et que tout le monde passe une belle journée. C'est le plus important, il me semble. Donc une bonne journée conviviale et familiale donc, pour cette 3e édition. Exactement. Alors justement, tu seras présent le jour de la course. Est-ce que tu penses prendre le départ d'une de nos 3 épreuves? Je les rappelle, le 10 km, grande nouveauté donc 2014, mais aussi notre 20 et notre 53 km qualificatif pour l'UTMB donc 2015. Alors c'est vrai que ça tombe dans une période charnière de l'entraînement au niveau de la course en montagne, mais il y a de grandes chances que je participe quand même au moins aux 10 km. C'est la course la plus courte, mais voilà, ce sera une période où il y aura des grosses charges d'entraînement et je vous ferai un point d'honneur à participer aux 10 km en tout cas. D'accord, donc Julien prendra donc le départ. C'est officiel donc de la chassée des géants le 7 juin prochain. Alors une des traditions de cette jeune épreuve, c'est que les organisateurs attendent chaque coureur sur la ligne d'arrivée. C'est quelque chose qu'apprécient énormément les coureurs. Toi, en tant que parrain, tu trouves ça comment? Je trouve ça vraiment dans l'esprit de la discipline. Voilà, on a la chance de faire un sport où tout le monde se côtoie du premier au dernier. On est sur la même ligne de départ, on emprunte le même chemin. Et les organisateurs accueillent les premiers, accueillent les derniers. Voilà, on est vraiment dans ce partage entre tous les participants et je trouve ça très très bien. Alors justement, dans cet esprit partage, souvent on attend un petit peu pour la remise des prix, donc à 17h30 que tout le monde soit rentré. Ça reste toujours un petit peu dans notre éthique de convivialité et toujours basé sur l'aspect familial de l'épreuve. Certains trouvent des fois un petit peu le temps long pour le podium. Toi, tu trouves ça comment? Disons que je pense qu'il y aura pas mal d'animation sur le site d'arrivée. Puis il y a plein de choses à faire juste à côté dans le coin s'il y a une belle journée. Donc je pense qu'en plus la course est le samedi, donc ça posera pas trop de soucis aux coureurs qui seront sur le podium. Bon. Alors justement, notre mascotte Talucine souhaite te lancer un petit défi. Est-ce que toi aussi tu serais prêt à accompagner la plupart des coureurs sur la ligne d'arrivée? Je pense que pour eux ça peut être un moment fort sympathique d'être finisher à tes côtés. Eh ben allons-y alors. En tout cas, je peux dire que tu réalises déjà le rêve de Talucine et de ses amis organisateurs d'avoir un athlète de ton niveau présent justement à Tueil en Ardèche. Alors au nom de toute l'équipe, un grand merci d'être notre parrain cette année et nous te souhaitons une saison surtout pleine et riche en émotions. Et pour ceux qui souhaitent plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.lachaussedesgeants.com. À bientôt les amis. À bientôt, merci à vous. Merci Julien.